jours de marché. Septembre gonfle et dort enfin le chasse-là. Les pêches sont à point. La déesse pomone, un peu trop démodée, à coup sûr, mais très bonne, de garnir aussi bien l'espalier, les chalas. Chaque tente rustique abrite des amas, de beaux fruits parfumés que la foule environne, regardant tour à tour les prunes de Damas et la figure entrouverte où l'abeille bourdonne. En marchant, on choisit, et bientôt le dessert, mis sur la nappe blanche et sous l'épais couvert d'un jardinet en fleurs, ignoré du profane. C'est dur à le gourmet, ami des petits plats, du vin frais, des cœurs chauds, des plaisirs délicats et de l'esprit sans fiel qui, jamais, ne se fane.